j'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronne. Pour chasser les brigands. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Pas si vite, Turlupin. Je n'ai même pas le temps d'appâter. Ne t'énerve pas comme ça. Tu vas effrayer les poissons. Bravo, Cachou. Tu vois, il suffit d'être patient. Attends, je vais t'aider. Je rêve. On a pêché une baleine. Attention à la baleine! Ne craignez rien, elle est empaillée. Empaillée? C'est pas possible, ça. Vous êtes bien Quentin? Moi, je m'appelle Charles de Lagrange et voici le sieur Philibert du Croisic. Je vous attends en effet depuis ce matin, mais comment m'avez-vous reconnu? Dans son courrier, monsieur de Molière m'avait parlé d'un âne et d'un singe. Nous avons tout juste eu le temps de les apercevoir. Monsieur de Molière aurait dû parler de deux ânes, car j'ai bien cru que cette baleine était vivante. Oui, elle nous a retardés dans notre voyage sur la Seine. C'est une baleine que le roi a fait empailler pour l'offrir à la curiosité des Parisiens. Voyez comme elle a déjà du succès. De quoi rendre jaloux le meilleur des comédiens. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à emporter la baleine au théâtre du Petit Bourbon, et ainsi il y aura beaucoup de bois. Voulez-vous dire que la troupe de Monsieur de Molière n'est guère applaudie? Hélas, il s'obstine à vouloir jouer des tragédies. Si je comprends bien, il était grand temps que nous arrivions. Peut-être, mais voyez-vous, je n'arrête pas de lui en parler. Monsieur de Molière doit jouer des comédies, des farces, avec des coups de bâton, des grimaces. Et des pirouettes. Et des coups de poisson. Vous avez raison, regardez, il rit. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? J'ai une tête de baleine? Hein? Conduisez-nous vite auprès de Monsieur de Molière, nous sommes tout à fait convaincus. Avant cela, je dois récupérer Cachou et Turlupin. Et je crois savoir où ils se trouvent.
Vous allez me laisser tranquille à la fin. Fichez-moi le camp, je dois travailler. Voici mon grand-père. Bonne aventure. Le roi des magiciens. Voilà en effet un joli numéro. Allez, maintenant ça suffit. Il n'y a plus de baleine. Descends. Quentin, je te conseille de filer. Les sbires du cardinal te cherchent. Le chassieux, mais qu'est-ce qu'il me veut encore, celui-là? Désolé, messieurs, il va falloir courir. Quentin, tu aurais pu nous présenter. Ah oui, ce sont deux nouveaux comédiens de la troupe. Occupe-toi de le chassieux, je reviendrai. Ne t'inquiète pas, on va le divertir. Cher monsieur le chassieux. Quel bon vent, on vient s'encanailler au pont neuf. Que cherchez-vous, un veau à deux têtes? Un avaleur de crapauds? Pas les pattes, sale bohémien, et laisse-moi passer. Vous voulez passer? Eh bien, laissez-moi faire un petit tour de passe-passe. Ne me touche pas ou je t'étripe. Mon épée, mais qu'as-tu fait à mon épée? Tirez-la, votre épée. Allons, du nerf. Tiens. Oh. Je vais te faire brûler comme sorcier. À moi! À la garde! Mes amis, ce monsieur de la police a besoin de se rafraîchir les yeux. Oui. Allez, allons! Pas si vite. J'ai quelques petites questions à te poser. Et là, malotru, savez-vous que nous faisons partie de la troupe de monsieur, frère du roi? Et savez-vous que je fais partie de la police du cardinal de Mazarin, premier ministre de sa majesté? Allons, pouilleur, soyez simple. Que voulez-vous? Rien, j'ai pour mission de te surveiller, c'est un secret d'État. Mais cet enfant n'a fait aucun mal, j'en réponds. Vous appelez ça un enfant? Même le diable n'en voudrait pas. Brisons-la, monsieur. Que lui voulez-vous? Si vous continuez, le sieur de Molière ira se plaindre à monsieur qui le protège. Et monsieur en parlera au roi. Du calme, du calme. Je voulais juste savoir si la petite Louise de Verville n'était pas dans les parages. Louise, elle serait de retour? Je n'ai pas dit ça. Et je n'ai même rien dit. D'ailleurs, c'est un secret d'État. Louise. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. N'est-ce pas, Pouillard? Jugez vous-même. À la scène, Pouillard! À la scène! Quel billet! Mais qui est donc cette Louise de Verville? Oh, c'est ma meilleure amie, mais... Chut! C'est un secret d'État. Monsieur Nicolas Fouquet, surintendant des finances. Asseyez-vous, monsieur le surintendant. J'ai de très bonnes nouvelles pour votre ami le comte de Verville. Il peut rentrer en France. Il a déjà quitté l'Espagne il y a quelques jours avec sa fille. Il est désormais sous votre protection. Sous la vôtre, votre éminence. Non, non, je ne protège pas mes ennemis. Je rends des services à mes amis et vous êtes un ami fidèle. Je ne sais comment vous remercier. Vous m'avez beaucoup aidé quand j'étais en exil. Vous vous souvenez, tous ces conspirateurs qui voulaient ma peau, comme le comte de Verville. Je ne partage pas les opinions de François de Verville, mais c'est un ami d'enfance. Il sera mon hôte à Saint-Mandé. Et bientôt dans votre château de Vaux-le-Vicomte. Il paraît que ce sera une grande merveille. Les travaux sont encore loin d'être achevés. Mais cela doit coûter très très cher. Vous connaissez comme moi le prix de la beauté. Inestimable. Vous êtes un très grand financier, puisque vous êtes très riche.
plus riche que le roi. Mais pas plus riche que vous, votre éminence. Avec tous mes remerciements. Alors, carissima marquise, vous avez tout entendu? Je déteste ce Fouquet, quelle arrogance! Je ne l'aime pas non plus, et le roi l'aimera encore moins quand il saura qu'il protège un comploteur, car le comte de Verville ne pourra s'empêcher de comploter, c'est plus fort que lui. Je me moque du comte de Verville. Ce que je veux, c'est retrouver ma petite Louise. Patientia, patience, mon ami. Ma police secrète a des yeux partout. Dès que le comte de Verville fera une sottise, je le jetterai en prison et vous retrouverez votre fille. Que ferais-je sans vous? Sans moi, vous seriez toujours aussi belle. Vous tombez donc jouer à la campagne! Oh bah oui alors! Je préfère jouer du Corneille au lieu de jouer du Molière. Et voilà le résultat. Allons les réconforter. Molière, dites au moins quelque chose. Eh bien, ma manière de représenter les tragédies est trop moderne pour le public. Voilà tout. En ce cas, changez de manière. Sinon, c'est moi qui changerai de troupe. Mademoiselle Duparc, vous préférez peut-être déclamer comme les comédiens de l'hôtel de Bourgogne, hein? Rodrigue, as-tu du cœur? Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'air. Lagrange du Croisy, soyez les bienvenus. Dans une troupe sans avenir. Je n'en crois pas un mot. Réfléchissez, car j'ai un rôle pour vous deux dans ma prochaine pièce. Encore une tragédie? Non, une pure comédie que j'appellerai Les Précieuses Ridicules. Tenez. Voici le début de la pièce. Seigneur Lagrange, regardez-moi un peu sans rire. Quoi? À dater de ce jour, Charles de Lagrange devint l'élève et l'acteur préféré de Molière. Son compagnon pendant 4 ans et le chef en second de sa troupe. Il décida d'ouvrir un grand registre qui constitue aujourd'hui une véritable histoire des débuts du théâtre français. Entrez. Monsieur Lagrange, j'ai vu un peu de lumière sous la porte, alors je me suis permis de frapper. Je vous dérange? Non, j'achevais d'écrire les premières pages de mon livre. Ah, vous aussi? Vous écrivez une pièce de théâtre? Oh non, 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 je ne suis qu'un comédien, pas un auteur. Et comme je manque diablement d'imagination, tu vois, je tiens le journal de la troupe. Voyons, extrait des recettes et des affaires de la comédie depuis Pâques de l'année 1659, appartenant au sieur de Lagrange, l'un des comédiens du roi. Le sieur Duparc sortit de la troupe avec Mademoiselle Duparc, sa femme, et passèrent tous deux dans la troupe établie au Marais. Ah ça alors? Vous allez tout noter? Non, pas tout, seulement les petites choses importantes. Eh bien, Cachou, peut-être qu'un jour nous ferons partie des petites choses importantes. Maintenant, monsieur, nous allons vous laisser travailler. J'étais juste venu vous dire bonsoir. Quentin? Monsieur? Tu voulais me parler? Non, non, ce soir tout le monde est bien occupé. Molière écrit sa pièce et il ne dormira point. Vous, vous écrivez votre registre. Toi? Oh, moi, je vais aller regarder les étoiles. Alors dis-toi qu'en ce moment, ton ami pense à son cher Quentin et tu feras de beaux rêves. Louise, vous croyez? J'en suis certain. Eh ben moi, je crois qu'elle m'a complètement oublié. Bonne nuit, monsieur. Juste d'arriver dans la jolie maison de M. Fouquet à Saint-Mandé. Vous êtes bien, M. Quentin? En effet. J'ai une lettre pour vous. De la part de Mademoiselle de Verville qui attend votre réponse. Louise, je n'ai donc pas rêvé pour rien.
J'ai appris que Monsieur de Molière allait représenter une comédie devant le roi au château de Chilly. Monsieur de Fouquet a accepté de m'y emmener et j'espère de tout mon cœur t'y retrouver. Oh, oh, oh. Enfin, des nouvelles. Rendez-moi cette lettre. De quel droit maltraitez-vous cet enfant? Le droit du plus fort, c'est tout bête. Mais c'est un rendez-vous d'amoureux, mon cher Quentin, mon joli cœur par-ci, par-là. Je vous tuerai. Oui, mais oui. Et en attendant, je te propose un bon bain. C'est à mon tour de rire maintenant. Lâchez-moi et rendez-moi cette lettre. Oh. Et la prochaine fois, je te mettrai un boulet au pied. Et toi, la mule, finis les beaux jours. Allez, avant. Allez, à cheval, et disparaissez. Adieu, Quentin, rendez-vous au château de Chilly. Ça leur coûtera très cher. Pauvre Cachou. Je te promets que ta bosse sera vengée. Ils s'en souviendront. Allez, viens. Nous allons demander conseil à Cyrano de Bergerac. Voilà, madame. Mes hommes ont fait le rapport et maintenant vous savez tout. Monsieur Fouquet et votre fille se rendront demain au château de Chilly. Fort bien, marchand. Voilà pour votre peine et voilà pour la suite. Et la suite? Lorsqu'il passera dans la forêt, vous arrêterez le carrosse de Monsieur Fouquet et vous conduirez ma fille en lieu sûr. Mais, madame, c'est contraire à la volonté du cardinal. Ce n'est pas contraire à la volonté d'une mère. Et puis le cardinal n'est pas censé savoir ce qui se passe dans les forêts. Alors, c'est oui? Ou c'est non? C'est oui, madame. La troupe du sieur de Molière commença par une visite au château de Chilly. Et il y joua le dépit amoureux et reçut 400 livres. Et j'ai ouï dire, monsieur mon frère, que Molière écrivait une nouvelle pièce. Quand la verrons-nous? Hélas, votre majesté, pas avant l'automne. Figurez-vous qu'il a pour dessein de s'attaquer aux précieuses. Il veut en faire des femmes tout à fait ridicules. Comme je lui donne raison. Cela signifie, vous voulez de l'argent? Ça, on ne refuse jamais. Prends cette bourse et disparaît. Je veux aussi la petite demoiselle. Non, lâchez-moi. Je suis Nicolas Fouquet, surintendant du royaume. Et je vous ferai pendre. Mais oui. Cyrano de Bergerac. Oh Dieu. Je vais te faire avaler ton pistolet. Louise, ma chère Louise. Ne vous donnez pas cette peine, monsieur Fouquet. Je vais les découper en rondelles. Cécile. Regarde.
revanche à prendre. D'un contre deux, nous sommes perdus. Au moins, tu es courageux. Tu iras loin. Jusqu'à la potence. Bravo! Bravo! Le dépit amoureux m'a agréablement diverti. Mais j'attends beaucoup de votre prochaine pièce. Vous êtes un grand acteur, monsieur de Molière. Il me plairait que vous fussiez aussi un grand auteur. Votre Majesté, je me consacre jour et nuit au bonheur de vous plaire. Et je veillerai pour votre amusement à ce que mes précieuses soient ridicules à souhait. Allons souper. Je vais vous présenter Rose. Monsieur Fouquet, vous arrivez pour la fin. Que votre majesté ne m'en tienne pas rigueur, mais nous avons été attaqués par des brigands. Ils voulaient s'emparer de mademoiselle de Verville. C'est donc vous la fille du comte de Verville. Ainsi donc, vous avez échappé à des brigands? Ce n'est rien, votre majesté, car j'ai auprès de moi des amis très courageux. Monsieur Fouquet, monsieur Cyrano de Bergerac, et... Oh. Et Quentin. Vous avez de la chance, mademoiselle, car il n'est rien de plus doux que les vrais amis. Mais tu as vu? Le roi m'a regardé. J'espère bien qu'il se souviendra de toi. Molière, Madeleine. Messieurs les comédiens, le roi vous fait l'honneur de vous inviter à souper aux cuisines. Excellente idée, car nous avons l'estomac creux. Allons, tous aux cuisines. Si mademoiselle de Verville veut bien me faire la grâce de m'accompagner... Avec joie, monsieur. Monsieur Lagrange, dans votre registre, est-ce que vous parlerez des beaux rêves? Non, car seule la réalité m'intéresse. Ah bon? Regarde où nous sommes, Quentin. Ce château, toute la cour réunie, le roi qui vient de féliciter Molière, et toi qui as retrouvé Louise, ne sont-ce que de beaux rêves? Oh non, monsieur, c'est vrai, c'est la réalité. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un paladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses paladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis polichinelle. On applaudit Molière, bravo, bravissimo, Molièreissimo.